bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits favoris du mois d'avril. Alors vous allez voir, il y a des tas de trucs en tout genre. J'ai essayé vraiment de vous mettre pas que des produits make-up, hein, des produits de la vie tous les jours. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc on passe tout de suite aux produits, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite avec la catégorie pour le corps, hein, bien sûr c'est ce qu'il y a le plus dans ma vidéo parce que étant une fille j'aime beaucoup ce qui sent bon, ce qui s'utilise pour le corps et ce qui devrait se faire belle. Et le premier produit que j'aimerais vous présenter, c'est un produit de la marque Cottage. Vous savez que je l'ai acheté parce que je vous l'avais mis sur Instagram. Alors c'est pas un produit écologique, c'est pas un produit bio, il n'y a juste pas de parabènes et pas de choses méchantes dedans. Mais l'odeur, l'odeur, je vous assure que c'est un truc de fou, mais je sais pas comment vous décrire ça, ça sent le caramel. Mais c'est génial, ça embaume toute la salle de bain, ça sent vraiment très très bon. Enfin moi j'adore, je suis allée l'acheter en fait avec mon copain dans un supermarché. On était là comme de foufou à sentir le truc, on était là, mais qu'est-ce que ça sent bon. Mais les gens ils ont dû nous prendre pour des foufou, mais c'est pas grave, on était vraiment contents d'acheter ce produit. Et vous voyez, on l'a pris en grand format hein, parce qu'on s'est dit, allez tant qu'à faire, on va l'utiliser pendant longtemps. Et puis du coup on l'utilise quasiment tous les jours à chaque douche et c'est vraiment génial, c'est un super produit. Bref, c'est un gros favori du moment, c'est pour ça que je tenais à vous le présenter en tout premier. Le deuxième produit, et là je suis ravie d'avoir trouvé ça, vous connaissez cette marque, vous en avez entendu parler des millions de fois, c'est la marque Velleda, qui est une marque naturelle en fait, c'est que des produits issus de la nature etc. Et c'est un gel douce qui sent la grenade. Et ça sent extrêmement bon, peut-être pas aussi bon que le gel douche Cottage, mais celui-ci se défend quand même extrêmement bien. Et j'adore, il n'y a rien de plus à dire que il hydrate bien, il lave bien, il sent très bon. Bref, c'est un excellent produit et en plus quand c'est naturel, moi je dis oui, vous le savez. Ensuite, pour rester dans la gamme écologique, nous passons à un lipstick. Vous savez, c'est un petit truc pour les lèvres en fait, donc moi j'en avais marre d'utiliser du Labello. Pourquoi je me disais, ouais, de toute façon le Labello c'est super cher, au bout d'un moment ça laisse les lèvres vraiment grasses, c'est pas agréable à porter. Et puis j'ai découvert ça, je l'ai acheté chez Lavicenne au Saint-Sébastien à Nancy, comme ça sur un petit coup de tête en fait, uniquement parce que j'avais pas de Labello dans mon sac à main, je me suis dit, crotte, il m'en faut un parce que je sors jamais sans Labello. Et j'ai découvert ça et depuis je ne m'en passe plus, c'est une petite tuerie ce truc, ça n'a pas... Enfin, pas fondamentalement d'odeur, c'est assez neutre, c'est à base de karité en fait, c'est complètement bio hein. Et c'est un produit qui fonctionne vraiment merveilleusement bien, j'adhère. Ensuite on passe à une crème pour les mains dont vous avez déjà dû entendre parler, je l'ai eu dans une My Little Box, c'est une crème pour les mains de la marque Polar et je ne m'en passe plus, vous voyez il est presque vide on va dire à moitié. Et j'ai adoré ce produit, c'est une crème de Laponie en fait, donc c'est avec des baies arctiques. Je ne pense pas que ce soit biologique, en revanche c'est sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale. En gros c'est un produit, il n'y a pas trop de choses méchantes dedans. Du coup j'aime vraiment bien l'utiliser et mon copain aussi parce que alors je pense que c'est lui qui l'a quitté quasiment aux trois quarts. Voilà, mais en tous les cas on a bien tous les deux adhéré à ce produit et j'adore, voilà, ça c'est un gros favori de ce mois-ci aussi. Ensuite le cinquième produit que je vous présente, c'est toujours un produit pour le corps et là merci à ma petite sœur en fait qui me l'a offert à Noël et qui me l'a fait découvrir. Donc vous connaissez sûrement tous la marque Herborian, moi aussi je la connaissais, pas de soucis. Mais là en fait il y avait une, je crois, une vente privée sur internet et elle avait fait une petite commande. Elle m'a commandé plusieurs produits Herborian qu'elle m'a offert et c'est celui-ci que j'ai revenu pour vous présenter dans ma vidéo favori parce que j'ai adoré. D'ailleurs Mimi, si tu passes par là je te fais d'énormes bisous et merci pour ce produit parce que c'est génial. Je vous explique ce que c'est. C'est un tonifiant sous forme de spray, donc vous le vaporisez un peu sur votre visage. Moi personnellement je le mets avant ma crème de jour sous mon fond de teint et en fait ça resserre les pores, ça tonifie, enfin bref ça a le même rôle qu'un tonifiant classique, mais celui-ci sent bon, il sent le frais et ça fait un effet glacé sur la peau que j'adore. Bref, c'est vraiment un énorme favori de ce mois-ci aussi. J'adore, j'adhère, pas de soucis. Ensuite, et le dernier produit pour le corps que je vais vous présenter, c'est un produit de la marque Kouachi qu'on a eu dans la Glossy Box du mois de janvier ou de février, je sais plus, bref, un des deux, février peut-être, je crois. Mais c'est ça, par contre, c'est mon favori de tout ce que je vais vous présenter, c'est le number one. Pourquoi? C'est un nettoyant visage, en fait. C'est un peu comme l'Herborian que je viens de vous présenter, mais... je dirais que c'est deux produits fondamentalement différents. Celui-ci s'applique au coton, l'autre c'est un spray.
mais celui-ci a une odeur. Mais comment vous expliquer ce que ça sent ? Ça sent un mélange de plein de bonbons différents. C'est ça en fait. Enfin bref, j'adore. Et j'ai fait une grosse commande de Naobe et Koeshi il n'y a pas très longtemps, donc j'espère la recevoir incessamment sous peu en fait, pour vous faire la vidéo, vous présenter un petit haul, parce que j'ai adoré cette marque. J'espère juste que tous les autres produits de cette marque-là sont dans ce style-ci, parce que j'ai adoré quand j'ai reçu ça, mais déjà, vous pouvez demander à Jean-Baptiste, toutes les deux secondes, j'étais comme ça, le nez sous le truc Koeshi, à le sentir toute la journée, et à m'extasier quand je l'utilisais le soir dans la salle de bain. J'étais là, oh oui, c'est génial avec mon coton-tige, mais j'en étais amoureuse de ce produit et je le suis toujours. Et du coup, je m'en suis recommandée au moins 3 ou 4 l'autre jour parce que je me suis dit, mais ça, c'est un produit que j'adore et que j'adorerais toujours dans un mois, 3 mois, des années, etc. Ça, c'est un produit que j'adore. Ensuite, fini la catégorie maquillage, soins, etc. Surtout soins. Et on passe à une catégorie qu'on va appeler catégorie de la maison, entre guillemets. Et je vais vous présenter une petite chose. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ? Les filles qui n'ont pas l'habitude de faire votre lessive, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais moi qui fais mes lessives, eh bien, en fait, c'est un parfum de linge de la marque Lenor. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous présente ça, tout simplement parce que c'est un énorme coup de cœur. Bref, c'est une vidéo favori, vous l'aurez compris. Et celui-ci, mais en fait, quand on presse sur le truc, on peut sentir. Et je vous conseille juste d'aller rien que le sentir en magasin, dans le rayon des lessives, etc., parce que c'est génial. Celui-ci n'est pas ouvert hein, parce que j'en avais plus en fait et j'en ai racheté. Mais pour vous dire, en fait, c'est plein de petites pastilles qui se disposent dans la machine à laver. Vous faites votre linge et votre linge sent une odeur. Mais c'est merveilleux, vous ouvrez la machine à laver, ça fait... Oh Seigneur, c'est vraiment une odeur géniale, géniale, géniale. Vous avez 3 parfums différents, mais je trouve que celui-ci, il dépasse largement les 2 autres. C'est génial, bref, moi je l'utilise à chaque fois. C'est un peu cher, je crois que c'est 7€ la bouteille quand même, hein, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais quand vous l'utilisez, je peux vous assurer que vous avez le linge qui sent vraiment très très bon. C'est très 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 agréable à utiliser. Je vous le conseille. Ensuite, on passe à une catégorie qu'on pourrait appeler alimentaire. Et là, je vous l'ai mis sur Instagram, on s'est fait une petite soirée craquage avec Jean-Baptiste. On a acheté des gâteaux Gu. Et là plus précisément, en fait, je ne connaissais pas du tout, enfin j'avais déjà plus ou moins entendu parler de la marque, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en manger. Oui, je sais, je suis très en retard, c'est pas bien grave. Et là en fait j'en ai profité qu'il y ait un nouveau parfum qui venait de sortir, c'était des fondants au caramel salé. Et je me suis dit, oh là, faut qu'on essaye ça. Et au départ on l'a mangé froid. Et je me suis dit, oh c'est dommage pour le prix, parce que ça vaut quand même 3,50€ cette petite boîte. Donc bon, c'était... Je me suis dit, j'espère que ça vaut son prix. Oh, c'est froid, c'est pas très bon. Bon, on a lu la boîte, et là, à mettre au micro-ondes. Ah bah ça allait tout de suite mieux. Et là, quand on l'a mangé, mais je vous dis pas, c'était juste génial. Le soir, avant de se coucher, on avait encore le goût dans la bouche, et on se disait encore, oh là là, mais qu'est-ce que c'était bon. Bref, on en rachètera avec grand plaisir. C'est un gros 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 favori de ce mois-ci. Donc pour mes produits à moi, c'est terminé. En revanche, j'ai 2 zinzins chez moi qui ont tenu à vous présenter leurs produits favoris du mois. Et donc on passe à celui de Jean-Baptiste, qui est en fait un petit produit qu'il avait eu dans sa box. Vous savez, la Glossy Box pour Hommes. C'est un produit de la marque Men Merci Andy. Et en fait, c'est un gel antibactérien. Et ce qu'il adore surtout, c'est l'odeur. Ouh, je m'en suis mis partout. Ah bah c'est pratique, je me suis désinfectée le visage au passage. C'est l'odeur et surtout l'effet pas gras que ça laisse sur les mains en fait. Bref, voilà le favori de Jean-Baptiste de ce mois-ci. On vous le conseille vivement, c'est vrai que c'est un produit. C'est petit, ça tient dans la poche, c'est trop mignon, ça sent très bon et c'est très efficace. Et c'est vraiment le genre de truc qu'il faut avoir dans ses affaires. Et on passe tout de suite au produit de Jet, parce que oui, lui aussi, il a ses produits favoris. Et c'est un produit de la marque Vitacraft. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Vous voyez ça tout en long, vous avez en fait un espèce de petit... Oui, un saucisson. Un sort de saucisson pour chien, mais en fait c'est dégraissé, etc. C'est un saucisson de poule. Ça s'appelle Beef Stick. Bon, c'est pas du bœuf en fait, hein, c'est juste marqué Beef Stick. Mais lui, il le préfère au poulet. Voilà, vous trouvez ça. Nous, on a trouvé ça chez Botanique. Donc c'est encore une fois, c'est de la marque Vitacraft. Et il adore. Et la dernière fois, on a eu des petits échantillons gratuits en fait chez Botanique. On lui a donné un petit échantillon. Et en 2 secondes, il n'y avait plus rien.
On s'est dit mais c'est pas possible, où est-ce qu'il l'a caché? Il a dû mettre quelque part. Et en fait on s'est rendu compte que non, il l'avait déjà avalé tellement il avait adoré ça. Il a dévoré tous les échantillons, on s'est dit il faut qu'on lui en rachète, il adore ça. Et depuis, eh ben, il veut quasiment plus les croquettes, il veut manger que ça. Donc bon, c'est un peu gênant pour nous, mais en tous les cas, voilà le favori de Jet de ce mois-ci. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo favori vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!